Bah, ce qui me touche, c'est que les bénévoles ont su reconnaître en moi le leader. Hein. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, tu sais pour qui tu vas voter tout à l'heure? Ouais, j'ai fait mon choix, ouais, bien sûr. J'espère que t'as fait le bon choix, parce que tu sais que j'ai quelques petites photos de toi. Bon, bah, maintenant tu sais pour qui voter? Bah, je les décevrai pas, hein, comme Martin Luther King. Tu sais pour qui tu vas voter, toi? Je trouve qu'il est très difficile de choisir parmi eux. Ouais. Alors, je pense qu'être président de l'association No More Racism, c'est un privilège plutôt qu'un devoir. Bon! Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir élu. Inutile de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour vous, je suis Jésus. Voilà. Ou Goldman Sachs. C'est comme diriger une multinationale en fait, sauf que bah, les gens, on les paye pas. Et puis bah, la motivation, bah, c'est moi. Mal chétan. Bon, moi je suis un peu le Steve Jobs de l'association, quoi. Bon, il est mort. Le Mark Zuckerberg de No More Racism. Ne filme pas l'écran. Bon, comme vous le savez, on trouve encore des tas d'inscriptions post-esclavagistes dans Paris. On en est où là de la manifestation devant l'enseigne Nègre Joyeux? C'est bon, je gère, t'inquiète pas, je suis. Hey. Salut! Hello! La forme? Alors on se voit sur Twitter! Enfin, faut se manier là, tu l'as déjà lancé ou pas? J'ai lancé l'appel. J'ai eu une idée de ouf. Je leur ai dit de venir déguiser en africain. Ça va créer un buzz de dingue. Personnes, 75 000 personnes devant le Nègre Joyeux, tous déguisés en africain. Comment ça m'est venu l'idée? Une boîte de bananière. Pow! Black Power! Black Power! Ils sont où les autres? Ils arrivent, les frères en noir. Black Power! Black Power! Il a kiffé avec nous, lui? Je suis là pour connecter les gens, passer du virtuel à l'IRL.